Bonjour mes chers amis, bienvenue pour ce nouveau direct Facebook. À nouveau, beaucoup de questions. Il a fallu faire un peu le tri, peut-être tenir compte aussi de l'actualité. Donc j'ai une première question de Jackie de Vendée. Madame Le Pen, le traité de libre-échange a été adopté au Parlement européen malgré l'opposition de votre groupe. Mais n'est-ce pas finalement une opportunité pour les entreprises françaises qui pourront ainsi vendre plus facilement sur le marché canadien? Bon, alors ça, c'est évidemment ce qu'on vous a vendu pour tenter de faire passer cette ignominie qu'est le traité CETA, qui est en fait le frère jumeau du TAFTA. TAFTA dont nous sommes pour l'instant, en tout cas libérés, non pas de notre fait, c'est-à-dire du fait de nos dirigeants français, mais en réalité du fait de l'élection de Donald Trump, qui est lui-même très opposé. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je trouvais plutôt favorable à la France l'élection de M. Trump à la place de Mme Clinton. Donc, bien évidemment, non. Ça ne va pas avantager nos entreprises. C'est même un danger très lourd. D'abord, un danger très lourd pour nos agriculteurs. Parce qu'il faut que vous sachiez que les coûts de production des agriculteurs canadiens sont 35% inférieurs au coût de production des agriculteurs français. Vous imaginez donc bien qu'à partir du moment où c'est le libre-échange total et la concurrence totale entre l'Union européenne et le Canada, c'est évidemment au bénéfice du Canada que cette concurrence va s'exprimer. Deuxièmement, il y a un problème environnemental. Pas de principe de précaution dans le CETA. Vous savez que le principe de précaution est très combattu par les grandes multinationales parce qu'elles les gênent, notamment dans, en posant des règles de sécurité environnementale et parfois même de sécurité sanitaire. C'est donc aussi notre marché ouvert à des produits dont le niveau de normes est très inférieur au niveau de normes qui est à l'œuvre dans notre propre pays. Enfin, il y a le problème des services publics. On assiste là, en réalité, à la libéralisation des services publics. Alors évidemment, ils ne le disent pas ainsi, mais c'est pourtant très précisément ce qui existe dans le CETA, ces services publics dont ils veulent la peau en toutes circonstances. Chaque décision prise par l'Union européenne vise soit à les affaiblir, soit à les faire disparaître, avec les conséquences que nous connaissons. Et puis, dernier argument, s'il le fallait, c'est évidemment ces tribunaux arbitraux. Hein. Donc très clairement, on est là dans le cadre d'une justice, la mise en œuvre d'une justice privée. Ce ne sont plus des juges, fonctionnaires publics qui vont prendre des décisions en cas de désaccord entre les multinationales et l'État, mais ce sont des arbitrages privés dont nous savons très bien qu'ils seront rendus par des avocats et autres juristes qui risquent d'être dans les mains des lobbies. Donc vous considérez bien cette difficulté. Une multinationale pour aller à l'encontre de la démocratie, c'est-à-dire qu'un pays qui changerait sa loi, si cette nouvelle loi, plus protectrice par définition, est un inconvénient pour la multinationale, alors elle pourra faire condamner l'État et donc condamner le peuple, puisque c'est en son nom que les lois sont votées, devant un tribunal arbitral. Donc l'intégralité de ce traité est très négative. Et évidemment pour le peuple et pour les différentes filières qui vont être confrontées à cette concurrence déloyale organisée par l'Union européenne. Je vous indique également que, de manière tout à fait scandaleuse, les parlements nationaux sont censés avaliser, entériner cet accord CETA, mais ils ont quand même décidé qu'en attendant ce vote, eh bien, il serait d'exécution provisoire. Bon, ceci va à l'encontre de votre volonté, car vous êtes des millions, évidemment, à vous être opposés à juste titre avec nous et avec d'autres, il faut l'admettre, à ce traité CETA. Sachez quand même que ceux, par exemple, des Républicains qui viennent sur les plateaux de télévision vous expliquer qu'ils y sont opposés, sachez qu'ils ont tous voté pour ce traité CETA hier au Parlement européen. Il y a, je crois, 4 ou 5 courageux qui se sont abstenus. Mais c'est vrai que le courage pour les Républicains consiste à s'abstenir. C'est incroyable. Je veux dire, le traité CETA, soit on est pour, soit on est contre. Il faut arrêter de se raconter des histoires. On ne peut pas s'abstenir sur un traité aussi important qui a des conséquences aussi lourdes sur notre pays. On voit bien que ce sont des gens qui ont une vision exclusivement électoraliste et qui se disent « Mon Dieu, si on pouvait éviter de se trouver confronté à des reproches, eh bien, plongeons dignement dans l'abstention. » J'ai une autre question de Youssef, de la région parisienne. « Bonjour, je comprends que les étrangers délinquants et surtout islamistes doivent être renvoyés, comme vous le répétez souvent. »
Mais que ferez-vous pour les étrangers qui sont en France et respectent notre pays? Bah, écoutez, ils n'ont absolument rien à craindre à partir du moment où un étranger est en situation légale en France, à partir du moment où il travaille et où, bien entendu, il respecte les lois de la République française et l'ensemble des valeurs, des codes, des mœurs aussi qui sont les nôtres, il n'a rien à craindre de notre politique. Nous ne souhaitons pas, encore une fois, considérer que les étrangers sont par principe suspectés, c'est pas du tout notre objectif, mais je crois que notre politique de fermeté à l'égard des délinquants, des criminels et de ceux qui ont un lien avec le fondamentalisme islamiste va précisément permettre de rassurer l'ensemble des Français. Ceux qui seront là, eh bien, ce sont ceux qui ont toutes les raisons d'être là. Ceux qui se tiennent mal, qui violent la loi, eh bien, n'ont absolument aucune raison de rester dans notre pays. Et bien souvent, il faut le dire aussi, à nos frais. Bon, vous comprenez bien que voir un criminel ou un délinquant sortir de prison et rester sur le territoire national alors qu'il est étranger et vivre avec les aides sociales et se soigner grâce à nos impôts et se loger grâce à des aides sociales qui lui sont accordées, à un moment donné, ça défie juste les lois du bon sens et de la morale la plus élémentaire. Bon. Sachez également que ces mesures qui visent les étrangers, bien entendu, ne visent pas les Français d'origine étrangère. Moi, je suis extrêmement claire sur ce sujet. Quand on est devenu Français, on est Français et on bénéficie de tous les avantages qui sont accordés aux Français, et notamment cette priorité nationale, notamment à l'emploi et au logement, que je veux voir mettre en œuvre. Donc il ne s'agit pas ici de savoir d'où vous venez, quelles sont vos origines, quelle est la nationalité de vos parents. Si vous êtes Français, eh bien vous êtes traité comme n'importe quel Français. J'ai une autre question de Johanna. Je suis originaire de Picardie et j'ai vu que l'usine Whirlpool va fermer. Si vous êtes au pouvoir dans quelques semaines, que ferez-vous pour empêcher cela? Alors Johanna, on est là au cœur du scandale des délocalisations que nous vivons depuis déjà un certain nombre d'années. L'usine Whirlpool a décidé de fermer en laissant sur le carreau des centaines de salariés. Hein. Je compte bien entendu aussi les sous-traitants qui vont être directement impactés par cette décision pour aller s'installer dans un pays d'Europe de l'Est où elle espère évidemment que les coûts de production seront moindres et que donc ses marges seront supérieures. Il faut quand même savoir que cette entreprise, elle a touché des fonds de l'État, et notamment par l'intermédiaire du CICE, je crois qu'elle a touché plus de 40 millions d'euros en 2 ou 3 ans. Alors est-ce que sérieusement, vous qui avez autant de difficultés pour payer vos impôts, vous considérez que vos impôts doivent servir à des entreprises pour qu'elles délocalisent leur production? Évidemment que non. Il y a un moyen très simple de régler ce problème. Il faut à tout prix que les entreprises n'aient plus d'intérêt à délocaliser. C'est-à-dire que si Whirlpool délocalise et qu'elle veut venir vendre les produits qu'elle a produits ailleurs, sur notre territoire, eh bien, elle sera obligée de verser une taxe. Voilà, c'est un principe très simple. C'est en vertu de ce principe, d'ailleurs, que Donald Trump a réussi à obtenir la relocalisation sur le territoire américain d'entreprises qui souhaitaient aller ouvrir des usines, notamment au Mexique, pour les mêmes raisons pour lesquelles Whirlpool veut ouvrir, je crois, en l'occurrence, que c'est, je ne sais plus dans quel pays d'Europe de l'Est. Mais je voudrais que vous sachiez aussi une chose, parce que probablement beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Il n'y a pas que les productions qui sont délocalisées. Il y a aussi les services qui sont de plus en plus souvent délocalisés. C'est ainsi qu'on a un peu entendu parler des call centers, des grandes entreprises qui en réalité ouvrent leurs call centers à l'étranger, soit dans des pays d'Europe de l'Est, soit dans des pays du Maghreb. C'est comme ça qu'on apprend que des entreprises font faire par exemple leurs comptes hein, par des experts comptables à l'étranger parce que ça leur coûte moins cher. Eh bien là aussi il faudra agir parce que ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui vont disparaître du fait de cette concurrence sur les services. On a même appris il n'y a pas très longtemps que des hôpitaux faisaient lire les radios par des médecins étrangers parce que ça leur coûtait moins cher. Mais mieux encore, nous apprenons qu'une grande partie, on peut le dire, une grande partie de la presse française, eh bien, a délocalisé la modération de ses commentaires sur Internet.
C'est-à-dire que lorsque vous faites un commentaire sur le site du Monde, du JDD, de l'ensemble des médias du groupe Drahi, hein, mais ça c'est la jurisprudence Macron, notamment BFM, L'Express, quand vous écrivez un commentaire sur le site du Nouvel Observateur, eh bien ce ne sont pas des Français qui modèrent vos commentaires, ce sont soit des Malgaches, soit des Marocains. Je vous signale que d'ailleurs ces grands humanistes de gauche, parce qu'il y a un certain nombre de grands journaux de gauche hein, dans la liste que je viens de citer, n'hésitent pas à faire travailler des gens qui sont payés 250 euros pour 48 heures de travail. Voilà la réalité de ce qui se passe dans notre pays, c'est inadmissible, ça pose évidemment énormément de problèmes, non seulement sur le plan du respect du travail des Français et du patriotisme économique auquel nous sommes attachés, ça pose aussi peut-être quelques problèmes sur les critères qui sont décidés pour opérer la modération de vos commentaires, ceux que vous postez à la suite des émissions de télévision ou des articles qui paraissent sur ces sites. Une dernière question de Jérôme de Bretagne. J'en ai marre que l'on critique la France et passe notre temps à s'excuser sur notre histoire. Que pensez-vous des propos de Macron en visite en Algérie ? Bon, Monsieur Macron, il nous a habitués à déverser son mépris sur tout ce qui, peu ou prou, représente la France. Je passe sur les injures illettrées, alcooliques, sur dans son différent tour de France, hein, c'est toujours très agréable, selon qu'il soit dans le Nord ou en Bretagne. Je passe, ou plutôt, on ne devrait passer sur rien de tout cela en réalité, sur la déclaration sur la France n'a pas de culture, elle a des cultures qui sont diverses. Bah, écoutez, à considérer que la France n'a pas de culture et vouloir être président de la République pose quand même un gigantesque problème de fond, qui devrait d'ailleurs intéresser ses petits camarades du showbiz. Parce que s'il n'y a pas de culture française, alors il n'y a pas d'exception culturelle française. Et donc il n'y a aucune raison de mettre en place les conditions de la préservation de notre culture française. Vous voyez que ce type de pensée peut avoir des conséquences très grave sur la protection de notre culture. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans ma révision constitutionnelle, je veux qu'il soit indiqué de manière la plus claire la défense et la promotion de notre patrimoine historique et culturel, parce que celui-ci est attaqué par des gens comme Macron. Et il est attaqué par des gens comme M. Macron, parce que derrière, il y a l'idée qu'il faut ouvrir grand la porte de notre culture, à toute la culture, notamment anglo-saxonne. S'il n'y a plus de capacité de préserver la culture française parce qu'elle est française, alors celle-ci progressivement disparaîtra. J'espère que les acteurs, les cinéastes qui peut-être m'écoutent s'inquiéteront de ces déclarations de M. Macron. Et puis alors la dernière, c'est sa déclaration sur la colonisation qu'il considère comme un crime contre l'humanité. Y a-t-il quelque chose de plus grave quand on veut être président de la République que d'aller à l'étranger pour accuser le pays que l'on veut diriger de crimes contre l'humanité? Je crois que au-dessus de ça, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien de plus grave que cela. Et c'est d'autant plus grave, je vais vous dire, qu'en fait, c'est la justification qui est utilisée par les voyous de banlieue pour agir, lutter, combattre contre la France et contre tout ce qui représente la France et notamment, évidemment, nos forces de l'ordre. C'est cela qu'ils disent dans les rues quand ils pillent, quand ils brûlent, quand ils saccagent, quand ils agressent. Ils disent « Vous nous avez fait du mal ». Vous, par la colonisation, vous avez commis un crime et donc nous venons en réalité obtenir réparation ou nous venons vous faire payer ce crime. Donc en utilisant cette argumentation, probablement pour des raisons bassement électoralistes, eh bien le crime c'est Monsieur Macron qui le commet et il le commet contre son propre pays. Alors j'ai entendu Monsieur Fillon se scandaliser de cette déclaration, mais il me semble que Monsieur Fillon lui aussi a tenu des propos du même style.
Certes, il n'a pas parlé de crime contre l'humanité, mais il a dit que la colonisation était une abomination. Donc, ces deux candidats, en réalité, vont dans le sens de ceux qui considèrent que la France est haïssable et qui se comportent chaque jour avec au cœur précisément cette haine de la France. Eh bien, nous, la France, nous l'aimons. Nous l'aimons de manière inconditionnelle. Et j'appelle les Français à sanctionner ceux qui se permettent de tenir ce genre de propos. J'appelle à retrouver l'amour de notre pays, de notre roman national, d'un pays qui a été, dans son histoire, certes bousculé, qui a pu, à certaines périodes, prendre de mauvaises décisions, mais qui ne peut pas être ainsi traîné dans la boue, mis dans le caniveau. Il est grand temps que revienne le patriotisme dans notre pays et la liberté d'être patriote. Vous n'avez pas de honte à avoir, à aimer votre pays, à glorifier votre pays. Le ferons, nous vous autorisons à le faire en toutes circonstances, parce que ce lien tellement beau, tellement fort, qui relie un peuple à son pays, ne doit être entamé par rien ni par personne. Voilà, mes chers amis, je vous remercie. J'espère que nous aurons l'occasion très rapidement de nous retrouver dans le cadre de ces directs Facebook qui, je crois, sont de plus en plus suivis.